Maurer, présidente de l'Association internationale l'ambassadrice. À mes côtés, notre marraine Ginette Vlotière, chevalier de l'Ordre du Mérite national, qui a présidé avec Madame Zeina Tebi notre conférence ce soir sur le rôle de la femme dans le pouvoir politique, droit et devoir, le cas France-Maroc. Cette conférence a été honorée par la participation de Madame la ministre Nouzhat Skelly du Maroc, Madame la députée Fatiha Bakali du Maroc aussi, Madame Constance Le Grip, notre députée des Hauts-de-Seine au Parlement européen, Monsieur Franck Keller, conseiller municipal à la mairie de Neuilly-sur-Seine, Madame Zeina Tebi, présidente de l'Observatoire des études géopolitiques et de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, aussi de notre grande dame, Madame Anissa Boumediene, ex-première dame de l'Algérie, et d'autres personnalités. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de votre participation. Aussi, merci à Madame la consule générale, Madame Souad Zeiri, qui a intervenu au nom de notre ministère, que nous remercions infiniment, ministère des Marocains résidents à l'étranger. Aussi, nous remercions messieurs les vice-consuls qui ont accompagné madame la consule, monsieur Omari Abdesamad, monsieur Mohamed Hjiri. Et aussi, nous remercions aussi les représentante de l'ambassade du Maroc, madame la conseillère de son excellence monsieur l'ambassadeur du Maroc, madame Leila Nhari, qui était là avec son assistant. Aussi nous remercions la présence de monsieur Henri Senghor, ambassadeur honoraire du Sénégal. Nous remercions aussi notre Marie-Laure, qui est chevalier des arts et des lettres, et toutes nos doyennes et nos doyens, auxquels nous rendons un grand hommage aujourd'hui. Merci à toutes et tous, à tous ceux qui ont participé à notre conférence et qui ont d'abord fait évoluer la cause de la femme. Nos rois, grand hommage à Mohamed V, Allah yirahmou, à Hassan II, Allah yirahmou, à Sidi Mohamed, que Dieu l'assiste. Nous rendons aussi un grand hommage à Madame Simone Veil. Et aussi un grand hommage à ceux qui nous ont quittés, Madame Fatima Mernissi et Monsieur Charles Pasqua et d'autres. Merci à vous toutes et tous, merci à votre participation et votre présence. C'est un honneur pour nous et ce n'est qu'une partie à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous. Merci.